On y va? Ouais, bah habillez-vous, j'y vais là. On est prêt, on est prêt. C'est vierge comme terrain. Oui, monsieur. Ouais, on continue. C'est bon. C'est bon. Donc, mais c'est ça, puisqu'on a, des émotions d'admiration de l'un envers l'autre. Ouais. Et d'empathie, c'est-à-dire que nous-mêmes, on peut simuler dans notre système nerveux la douleur de l'autre. Oui. On le fait. Ouais. Donc, c'est... Alors voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on se... Et mon frère s'occupe d'eux aussi dans des trucs... Et donc, on est amené là-bas pour voir et tout, je m'intéresse à ce que... Oui, finalement, individuellement, il fait du bien à certaines personnes. Il l'a formé, il lui a donné un métier, c'est très bien. Voilà, tout à l'heure, il profite de son colonisateur pour se faire une situation, être bien dans la vie, voyager, sortir, avoir profité de ce que lui offre le colonisateur, même si elle n'a pas son pays. Et donc là, je suis dans ce village et on passe dans la rue, des gens dans un jardin nous appellent. On est des étrangers, c'est clair. Ils nous appellent, ils nous font rentrer dans le jardin, ils nous offrent le thé, des grappes de raisin, et on parle avec un baragouinage, chez moi, d'anglais. Surtout, quoi, c'est la langue à peu près commune qui peut passer. Et puis d'hébreu, pour eux, parce que c'est pas les signes à la part, l'hébreu. Ah oui, ok. Hébreu, enfin, et donc mon frère a français, hébreu, anglais. La fille en question, elle a hébreu, arabe, anglais. Moi, je communique avec elle en anglais. Et ces gens-là, donc, on se connaît pas. J'ai tout de suite senti qu'il y avait un lieu où on allait s'aimer et s'admirer mutuellement. Mmh. C'était en partant, on est tous fils d'Abraham. Ouais. Là, il y a des juifs, il y a des... Après l'effort. Aïe, 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 aïe. C'est bien ça. Ouais. Ce n'est pas le concassement du langage,
mais la pulvérisation hasardeuse du corps par des vignards. Allez, monsieur. Nul autre partout d'esprit n'explique la constitution des choses. Il n'y a pas de choses. Elles n'ont pas de constitution. C'est la pétée des gaz érotiques de l'endroit où ça tombe, mort. Du corps, par le corps, avec le corps, depuis le corps et jusqu'au corps. Entre le corps et le corps, il n'y a rien. Le corps se fait en arrière de lui-même, j'ai beauté. Par coupure de rejet. Beaucoup moins que lui. Ah, t'es là. Ok, je viens de te voir. Et la sainte bête intelligente de Dieu a dit, et moi, je suis une bonne bête, en face de tout ce corps d'Antonin Artaud, et non de l'homme, Antonin Artaud, qui n'en occupe qu'une petite partie, et qui s'en ira, et je trouverai bien à l'heure de sa mort, sans phrase, sous la douleur que je lui ai préjugée, le moyen de ressurgir à la place de son cœur, et d'en éliminer l'homme en humant, comme Yahvé dans sa Bible tonne, après avoir bité, glotté, lutté, limé et crapulé. Or, le bâton de Poirot, son profondeur intellectuelle ou psychique, ne suffit pas. Il est Poirot vrai et non psychique. Et s'il est cela, c'est qu'il est fait de ma main à moi, un corps. Pas d'esprit, pas d'âme, pas de cœur, pas de famille d'être, pas de légion, pas de confrérie, pas de participation, pas de communion des saints, pas d'ange, pas d'être, pas de dialectique, pas de logique, pas de syllogistique, pas d'ontologie, pas de règles, pas de règlement, pas de loi, pas d'univers, pas de conception, pas de notion, pas de concept, pas de fait. Pas de langue, pas de lunettes, pas de glotte, pas de glande, pas de corps thyroïde, pas d'organe.